Bonjour chers élèves, avec une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va discuter la production écrite, comment gérer le temps, alors gérer les 60 minutes de l'examen. C'est toujours le texte argumentatif bien sûr. On va essayer de donner la durée de chaque étape et expliquer pourquoi pas. Mais si vous voulez bien sûr lire ou bien avoir des détails sur la production écrite, vous pouvez voir sur la vidéo précédente. Alors, première étape, 5 minutes, c'est la lecture du sujet. Et il faut lire le sujet deux ou trois fois minimum. Alors, deuxième 5 minutes, c'est identifier les mots-clés. Alors, ça veut dire quoi, identifier les mots-clés? Ça veut dire les souligner ou les colorier avec un feutre fluorescent. Alors après la lecture et aussi l'identification des mots-clés, on va passer à la troisième étape. Alors elle ne va pas vous prendre une minute, bien sûr. C'est écrire le point de vue en haut de la feuille du brouillon. Bien sûr, écrire son point de vue, ça va vous permettre de gagner quelques minutes lors de la rédaction. L'étape numéro 3. C'est l'étape la plus importante, c'est la rédaction du développement. Alors, si vous adoptez un plan simple, vous tracez le tableau comme suit et vous écrivez vos arguments et vos exemples. Bien sûr, n'oubliez pas d'écrire des liens logiques et de classer les arguments du moins fort au plus fort. Alors, oui, il faut avec chaque argument chercher un exemple ou bien une explication et respecter l'ordre du moins fort au plus fort. Alors ça, c'est si vous choisissez un plan dialectique, ça veut dire que vous avez le choix entre le tableau qui précède et le tableau que vous voyez ici. Alors le plan dialectique, ça veut dire la thèse et l'antithèse, deux arguments pour et deux arguments contre, bien sûr. Alors après le développement, vous avez passé 20 minutes, vous allez maintenant consacrer 10 minutes pour écrire l'introduction. Alors, il faut respecter des choses pour écrire l'introduction, c'est la présentation de sujet. Ça veut dire quoi présenter le sujet? Ça veut dire le refaire à votre manière, mais en utilisant les mots-clés, les mots importants déjà soulignés dans votre sujet. Et n'oubliez pas de présenter une problématique. Et quelques conseils, bien sûr, c'est que dans l'introduction, il ne faut pas donner des arguments, il ne faut pas donner des exemples, le point de vue, et ne pas utiliser les pronoms personnels que vous voyez ici. Et généralement, on utilise le pronom personnel en. Alors, on passe à l'étape suivante. Désolé. Alors, voilà un exemple d'introduction. Vous pouvez faire pause, bien sûr, pour le recopier si vous voulez l'adopter. Alors, conclusion, c'est quoi la conclusion? C'est un lien logique, plus le point de vue, c'est un dialectique, sinon vous allez et plus une ouverture synthèse. Alors sinon vous avez un plan simple, vous avez déjà donné votre point de vue, il ne faut pas le donner une deuxième fois, l'écrire une deuxième fois. Alors vous allez vous contenter de faire lien logique, synthèse plus ouverture si vous voulez, sinon vous ne trouvez pas une ouverture, ce n'est pas grave. Alors voilà quelques exemples de conclusions. Alors le premier exemple, c'est le plan simple. Alors, j'ai donné un lien logique. Vous pouvez ajouter une synthèse et une ouverture. Deuxième exemple, c'est le plan dialectique. Vous pouvez choisir, bien sûr, un lien logique. Un lien logique. Et synthèse plus ouverture. Alors, cinquième étape, ça va durer 5 minutes. Si vous voulez, c'est recopier ce que vous avez écrit dans votre brouillon sur la feuille de l'examen. Ça va vous prendre 5 minutes ou bien plus, 6 minutes jusqu'à 7 minutes. Alors voilà, si vous voulez, un canevas de ce que vous allez avoir après écrire votre rédaction, soit vous adoptez un plan simple ou bien un plan dialectique. Alors, dernière étape, ça va vous coûter quelques minutes, petites minutes, 3, 2 minutes, ou bien 5 minutes maximum, c'est la relecture. Vous allez essayer de corriger, de rectifier ce que vous avez oublié, d'ajouter des S, des ENT pour les présents avec
troisième personne du pluriel, etc. Alors c'est ça, c'était rapide. Alors vous pouvez bien sûr en profiter de refaire la vidéo, de la relire plusieurs fois pour bien sûr comprendre et appliquer ce que vous avez appris. Merci beaucoup et on se voit pour une nouvelle vidéo prochainement. Merci.